قال النسب الشريف السيد الأكرم الذي شرف الناس بوجوده هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من زوجه آمنة بنت وهب الزهرية القرشية ابن عبد المطلب من زوجه فاطمة بنت عمرو المخزومية القرشية. L'auteur, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala, nous dit la noble généalogie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. An-nasabu al-sharif. An-nasab, c'est la généalogie du verbe nasaba, yansubu, nasaban, ou bien nisbatan, ou d'autres formes de substantifs. J'ai donné en arabe le mot nasab sous forme de verbe, puis après j'ai donné certains mots voisins de qu'est-ce que la généalogie ou l'attribution. Nasaba, yansubu, c'est attribuer. An-nasab, la généalogie, l'ascendance. D'autres mots ressemblent à celui-ci. Nisba, an-nisba, c'est l'origine ou la provenance. Quand quelqu'un vient d'un pays, par exemple, quelqu'un, s'il est français ou si une sœur est française, on dira al-firansi. Al-firansi, ça c'est le français, c'est ça, nisba, c'est sa provenance en termes de lieu géographique. Et si c'est une sœur, on dira al-firansiya, nisbatan. Donc, elle est française d'origine, par sa provenance. An-nasab, c'est l'origine du point de vue de l'ascendance. Du point de vue de l'ascendance en termes d'aïeux, les grands-pères, à savoir par la racine masculine de l'ascendance. Mais ici, l'auteur a aussi mentionné les épouses des différents grands-pères du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceci indique qu'elles étaient déjà à leurs époques célèbres, simplement par le fait qu'elles étaient l'épouse de l'homme en question, mais aussi dans certains cas, comme nous allons le voir, en raison de caractéristiques nobles de leur part. Le noble maître qui a honoré l'humanité par son existence s'appelle Muhammad Ibn Abdillah. Non. Donc l'auteur ici en français, il n'a pas dit ce qui est écrit en français par le traducteur. Il y a Muhammad Ibn Abdullah, Ibn Abdillah. Donc comme vous le savez, je me permets de temps en temps de faire des petites propositions ou des apports ou des rectifications lorsque ceci s'impose. Il se peut que parfois des oublis arrivent ou que des interventions puissent être intéressantes pour la compréhension. Ici, l'auteur, en traduisant, donc le traducteur plutôt, a omis de dire Muhammad ibn Abdullah. Donc c'est Muhammad ibn Abdullah. Abdullah, c'est le père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui, Muhammad ibn Abdullah, le noble maître qui a honoré l'humanité par son existence. Non. Donc bien mettre ici ibn, qui en arabe veut dire le fils du nom qui vient après, donc Abdullah. Par son épouse Amina bint Wahb, Az-Zuhriya. Donc Az-Zuhriya, c'est comme si nous avions Al-Zuhriya. Donc peut-être que j'écris trop petit, peut-être pas. Je vais déplacer ceci pour que nous voyons mieux. Az-Zuhriya, c'est littéralement, qu'est-ce que c'est? C'est une nisba. Vous vous souvenez, je venais d'utiliser ce mot avant en disant nisba, la provenance. C'est une nisba, ça veut dire c'est une nomenclature, Az-Zuhriya, qui veut dire elle vient de quelque chose ici, précisément de Zuhra. Bani Zuhra, c'est le clan de la noble Amina bint Wahb. Allah l'agré. Et je vous expliquerai pourquoi je dis Allah l'agré. Amina bint Wahb, Az-Zuhriya, radiallahu anha. C'est la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'appelle Amina, elle est la fille de bint Wahb. Wahb, c'est le nom de son père à elle. C'est le grand-père du prophète maternel, alayhi salatu wassalam. Az-Zuhriya, ici, ce que le traducteur a écrit en français, c'est en fait, c'est comme si il avait écrit Al, donc la, littéralement, parce que c'est une femme, la Zuhrit, celle qui vient de Bani Zuhra.
Zuhriya, ceci veut dire que elle vient de Bani Zuhra. Bani, ça veut dire les enfants de Zuhra. C'est comme si on dit le clan de un tel, alors on dit Bani Banu Zuhra. Comme on dit par exemple Banu Israël, ça veut dire les enfants d'Israël, donc les Israélites. Israël, c'est Jacob, c'est le prophète Yaqub. Israël, huwa Yaqub. Donc les descendants de Jacob, ce sont les Israélites, ce sont les descendants d'Israël, les enfants d'Israël, donc Banu Israël, Zuhra, ici, a donné son nom à la tribu Banu Zuhra. Donc je ne vais pas faire cette explication pour chaque nom, mais il est important d'en faire au moins une pour que nous nous rendions bien compte le fonctionnement ici des appellations et des nisba, les provenances en ce qui concerne notamment les ascendances. Donc, la provenance peut être géographique, on peut venir de France, d'Arabie, du Maroc, mais la provenance peut aussi être tribale. Donc, on peut venir d'une tribu, dans ce cas, on parlera aussi d'une nisba. Nisba. Non. Banu Zuhra. Ces explications sont intuitives et peut-être qu'elles vont à un rythme rapide. Si c'est le cas et que c'est trop rapide, n'hésitez pas à me le dire et j'adapte le rythme, inshallah ta'ala.